J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie, et en guise de paraphe, ta petite blonde sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle écrit que dimanche elle sera sur la falaise, où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurai pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas 100. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux battre Newton car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche quand je l'ai reconnue. J'ai saisi par la manche ma petite ingénue, qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut.